Ok, hashtag belle gosse, hashtag bombasse, hashtag saufraîche dès le matin. Quoi? Pas mal cet article. Entre C, entre V, écrit par Pierre-Henri. Ah ouais! Ah, canon les vidéos! Hein. Grave! Il est sur Tinder? Non, non, on est sur LinkedIn. Aujourd'hui, découvrez 5 erreurs à ne surtout pas faire sur les réseaux sociaux par les élèves de PPA. Attention, c'est parti! Aujourd'hui, je me suis levée au calme de père, wesh. J'ai grimpé que j'avais cours, crari, je me suis grouillée. Arrivé en retard, le prof m'a viré. Je vénère la vie de ma mère, la vie. Maman. Évite les mots familiers, sinon tu perds en crédibilité. Utilise un langage courant, sinon tu vas perdre ton audience. Et enfin, ne dis pas n'importe quoi, sinon ça va se retourner contre toi. Ah ouais. C'est bien celui-là. Ah, canon, il est beau, hein. Grave. Il est sur Tinder? Non, non, il est sur LinkedIn. LinkedIn? Bah ouais. Vous cherchez des mecs sur LinkedIn? Bah ouais. Ouais. Mais n'importe quoi, mais il fait quoi dans la vie? Bah il est médecin. Ça va vous servir à vous, un médecin, t'es dans la com? Ça peut toujours servir. Stop, oubliez tout de suite, LinkedIn c'est pas un site de rencontre. Il faut que vous utilisiez cet outil pour vous ajouter des contacts qualifiés utiles pour votre carrière professionnelle. Salut tout le monde, aujourd'hui on est samedi, je suis à PPA. Ouais, j'ai cours aujourd'hui, c'est un peu chiant, mais bon, en plus c'est beau tout ça. Mais bon, je vais m'en sortir, c'est pas très grave quoi. Nancy, tu fais quoi dans les toilettes avec ton portable en train de te filmer? Bah, je suis sur Periscope, tu connais pas? Si, bon, bah ouais, mais c'est super cool, genre, bon, à part qu'il y a quelques personnes genre qui m'insultent, qui me demandent d'enlever mon bouton, du coup, je les ai tous bloqués. Mais sinon, c'est grave cool, tu devrais trop le faire. Faites surtout pas ça, surtout pas ça, s'il vous plaît. Periscope peut être une application bénéfique si vous produisez des contenus intéressants et utiles. Wesh Chloé, je t'ai pas dit, mais ça fait une semaine que je suis sur Twitter, j'ai déjà 1000 contacts quoi. Enfin, c'est trop. Mais ouais, c'est trop facile d'avoir des abonnés, genre je me sens trop fâche, j'ai trop d'amis quoi. Et toi, t'en as combien? Parce que ça fait un bail, t'es sur Twitter. 50 abonnés, me semble. T'as que 50 abonnés, mais genre t'as pas d'amis quoi. Enfin, comment ça se passe? Coin, coin, coin. Attention, sur Twitter, il est important d'avoir des contacts qualifiés. Cela nous permet d'avoir des informations pertinentes. Il ne veut pas descendre. Qu'est-ce que tu fais? Ma photo LinkedIn. On n'est pas comme ça. Bah pourquoi? Il faut les excuser. Il faut vraiment les excuser. Sur LinkedIn, attention à votre photo. Soyez pro, mais pas cute. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai trouvé un nouveau réseau, ça s'appelle Qzone. Wow. J'ai Qzone, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn, Periscope. Génial! Mais c'est cool, mais enfin, qu'est-ce que tu fais avec tous ces réseaux? J'ai repris. Ok. Stop! Rien ne sert de s'égarer. Il est préférable d'économiser du temps pour produire du contenu de qualité et pouvoir répondre à sa communauté. C'est mes élèves! C'est mes élèves! Ah, il y a le prof qui est en direct sur Periscope. Oh, il est trop beau! Qui c'est, le prof? Non, le gars que j'ai ajouté sur LinkedIn. Sur LinkedIn? Ouais. Ah ouais, il est pas mal. Mais tu le connais? Non. Bah, tu lui as envoyé un message? Non. Bah, tu le connais d'où? Il est dans mon école en 4e année. Mais tu le connais pas alors? Non, mais comme ça, je peux étendre mon réseau. C'est pas de leur faute, ils savaient pas. LinkedIn est un réseau professionnel. Ajoutez des personnes qui ont un intérêt avec vous. Si jamais vous ne connaissez pas les personnes, envoyez-leur un message pour prendre contact avec eux. Et pour le reste, il y a Tinder. Bonus! Ah Quentin, faut que tu m'aides là. Je suis sur LinkedIn, j'arrive pas. Et je veux envoyer un message à Laurent Blanc parce que j'ai envie d'être entraîneur et j'aimerais avoir des conseils. Tu m'invites. Ton avis, je commence par quoi? Bonjour monsieur Laurent Blanc. Ah non, mais t'es pour Paris. Normalement, tu lui salues Lolo. N'hésite pas, franchement. Il est cool, t'inquiète pas. En plus, t'es fan du PSG, il va adorer. Ah ouais, j'avoue. C'est super quoi. Bon, je vais commencer. Fais-le assez vite. Salut mon Lolo. Ouais, le même au carré, c'est super, bonne idée ça. Bon, je vais faire ça. T'inquiète pas, dis juste ouais, j'aimerais être du PSG, ouais. Est-ce que je peux avoir de conseils, etc. Il est super cool, il va te répondre. Ah, c'est vrai que ça, c'est une bonne idée, ouais. Attends, je vais faire ça. Ouais, non, je pense que ça peut le faire, ça peut le faire. Et à ton avis, est-ce que je relis le message ou pas? On lui dit oui. Non, c'est bon, on t'écrit bien, on n'a pas de soucis, on n'a pas de faute. On s'en fout, ils vont devoir recevoir plein de messages à défaut. Dans tous les cas, je te fais confiance. Ouais, non, t'inquiète pas, il n'y a pas de soucis, tu peux l'envoyer, il n'y a pas de problème, vas-y. Ok, bon, je vais envoyer alors. Ouais, je pense que ça va le faire, super. Eh, j'ai envie de dire non. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des choses à pas faire sur LinkedIn. Tout simplement, relisez bien votre message avant tout envoi et surtout, personnalisez-le au maximum. Bonus du bonus. Eh, au fait, tu sais pas quoi, mais Pierre-Henri, c'est un mytho. Pas mal cet article. Entre C, entre V, écrit par Pierre-Henri.
Ah bah tiens, regarde, c'est le dernier article de Pierre-Henri. Eh hey, mais c'est mon article. Plagier tu feras, en prison tu iras. Ils sont bons, hein. Ça te dit qu'on aille se poser? Bah là, attends, je vais appeler ma boss pour lui dire que je viens pas, je suis malade. Allô? Oui. Madame Moret, je suis pas très bien en ce moment. Je suis un peu malade, donc je pourrais pas venir aujourd'hui. Oui. Oui, vous inquiétez pas, je vais chez le médecin. Merci, bonne journée. Ah, il est sérieux? Non mais ça va pas se passer comme ça là. Allô Sébastien? Oui. Tu pourras venir chercher tes affaires demain, oublie pas les pâquerettes. Pro, perso, perds pas ton boulot à cause des réseaux sociaux. On s'en fait une petite dernière. Oh, je viens de me lever. Hashtag trop nul. Oh tiens, je vais dire que j'ai mangé une pomme. Hashtag Apple. Peut-être qu'ils m'entendront. Oh là 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 là, il est 19h, je suis encore en cours. Hashtag la loose. Alors là, c'est assez simple. Faux. Twitter n'est pas un réseau social pour raconter sa vie. Sois intéressant et intéresse ta communauté. Un grand merci aux élèves de PPA de s'être prêtés au jeu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine Minute Social Media. En attendant, hashtag PPA. Coucou les gars. Coucou, c'est nous, reviens après 2 mois d'absence. Aujourd'hui, nous allons parler du produit phare de la saison. Le meilleur. The best. The one. Le rouge à lèvres. Évidemment, le rouge à lèvres est un produit qui ne va pas à tout le monde. Vous en avez grave besoin, enfin si vous êtes belle, sinon c'est pas la peine. C'est bon ? Du produit phare de la saison, le rouge à lèvres rouge est un produit qui ne va pas à tout le monde. Tu sais pas parler ou quoi ?